Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une toute nouvelle émission sportive. Cette semaine, ce sera une émission spéciale consacrée au basketball avec un sujet sur le match 3 des hommes face à Villars-sur-Glâne et avec toute l'équipe féminine qui est venue du Nyon Basket Féminin. On a 5 joueuses aujourd'hui sur le plateau avec Caroline Zinner et Agnès Blanchard. Bienvenue, félicitations pour le titre. Et on a aussi Caroline Turin, Elisabeth Marin et Pauline Bonacorsi. Bienvenue et félicitations, mesdames. Merci. On imagine que gagner ce titre à domicile au Rocher, c'était absolument phénoménal. Vous avez pris énormément de plaisir. Vous avez bien fêté, Pauline. Oui, c'est sûr. À la maison, avec notre public, tous nos amis, c'était incroyable. Et quand on finit avec la coupe, le titre, la soirée, même si c'est un dimanche soir, c'est pas grave. Tout le monde en est à fond avec nos supporters fidèles. Ouais, c'était vraiment génial. Elisabeth, qu'est-ce que vous avez fait ce dimanche soir? Après avoir célébré très bien sur le parquet avec toutes nos familles, nos amis qui sont venus nous voir, on a célébré pas mal dans les vestiaires avec la coupe, le champagne. Et après, on est tous allés manger avec nos supporters, à peu près 50 personnes à Benia au milieu. Une très belle soirée, on l'imagine, Caroline. Une très belle soirée, mais aussi une très belle expérience ce match, cette finale. Oui, c'était assez, je pense, incroyable pour toute l'équipe, pour tout le staff, les dirigeants. On espérait depuis quelques semaines avoir le Final Four à Nyon. Mais voilà, il y avait des chances, il y avait d'autres équipes aussi qui voulaient. Mais de pouvoir faire tout ça ensemble, c'était assez incroyable. Et puis, on savait qu'on pouvait le faire, mais une fois que c'est fait, c'est un vrai, vrai plaisir. Agnès, est-ce qu'on a réalisé assez vite cette victoire? Combien de temps est-ce que ça a mis pour réaliser ça? Le jour même, on ne réalise pas trop encore au buzzer final. On se dit qu'il y aura encore peut-être un match où on va encore jouer, mais en fait, on se dit que c'est fini. Donc, on ne réalise pas tout de suite, non, le soir non plus. Et puis le lendemain, oui, on commence à se dire c'est fait, on l'a fait. Ouais. Une joie immense, on l'imagine, aussi pour toi, Caroline. Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a à peu près le même noyau dans l'équipe. Et puis, c'est vrai que c'était l'année où on espérait vraiment aller le plus loin possible. Et puis, finir avec un titre de championnat, c'était vraiment une joie immense aussi pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, les mêmes supporters et les familles et les amis. Donc, Justement, on voit ces images de victoire. C'était absolument magique pour vous, on l'imagine. Est-ce qu'on peut dire que c'est unique dans une carrière d'une joueuse, Pauline? Pour moi, c'est la première fois. Surtout à la maison, on ne sait pas si ça va se reproduire. C'est possible que ça ne se reproduise jamais. Donc, on espère toujours qu'il y aura une autre fois, mais on ne sait pas. On ne sait vraiment pas si ça va se reproduire. Donc, il faut vraiment qu'on profite à 200%. Et Caroline, qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueuses à ce moment-là? À ce moment-là, c'est assez intense. Je pense que c'est vraiment, vraiment unique de pouvoir faire ça comme ça. On n'est quand même pas forcément toutes de Nyon, mais on est toutes de la région. Pour faire ça comme ça devant notre public. Le public, en plus, ils étaient tous en rouge. Ils ont vraiment joué parfaitement leur rôle de sixième homme. Donc, ces moments-là, c'est juste un gros, gros, gros kiff et beaucoup de joie de partager ça tout ensemble. Je pense que des moments comme ça, ça a été particulier. Moi, j'ai eu la chance de gagner quelques autres titres. Ça a été particulier, vraiment. Non, on a vu Samira Albarka qui coupait le filet. Pourquoi est-ce qu'on coupe un filet comme ça à la fin d'une saison? C'est une tradition. Il vous apportait bonheur pourtant. C'est déjà le filet dans notre salle, donc c'est vrai que le conserver, en plus avec une victoire à la clé, donc il n'y a rien de mieux. Qui c'est qui le garde ce filet? C'est Agnès qui l'a gardé. C'est sûrement ça, moi. Je pense, je ne sais pas où elle l'a mis. Donc Samira Albarka qui était la capitaine de l'équipe, qui est la capitaine de l'équipe, que l'on a vu sur ces images. Samira qui a joué aussi un très grand rôle dans cette saison. Oui, énorme rôle autant sur le terrain qu'en dehors. Elle a vraiment su recentrer l'équipe tout au long de la saison. Elle a vraiment fait un travail extraordinaire. C'était pas toujours facile. Et puis aussi avec le coach, elle a vraiment fait l'interface au moment où il fallait. Et puis sur le terrain, c'est une grande joueuse. Donc elle fait vraiment partie aussi de cette grande victoire. Elle nous a vraiment porté à cette victoire.
Samira qui a été décisive dans ce week-end du Final Four parce qu'elle a gagné ce titre aussi de MVP. On va voir les images du match, c'était contre Arau, donc la finale. Arau qui venait de descendre de Ligue Nationale A et un match que vous avez remporté à domicile 59-42. Comment est-ce qu'on prépare ce match? Est-ce qu'on le prépare certainement différemment qu'un match normal? Alors, oui et non, parce que chaque match, en fait, on prépare toujours chaque match, on ne pense pas à l'après. Et comme samedi, dimanche, ça s'est enchaîné, on a préparé les deux en même temps. Donc voilà, c'est comme d'habitude, toujours concentré à 200% et pas vraiment particulier. On ne s'est pas dit c'est la finale, on essaie de ne pas justement se mettre trop la pression pour qu'on joue au mieux. Et puis. Voilà. Et là, on vous voit à l'œuvre, donc une action avec Pauline. C'est vrai. Et Caroline qui va marquer ce lancer franc. Je les connais par cœur, ces images. Voilà, 3 points et une petite célébration. Vous êtes rentrée dans le match comme il fallait, Elisabeth. Vous avez fait tout juste dans cette finale. Je pense qu'on a fait tout juste. Toutes les joueuses, je pense qu'elles ont apporté leur grain de sel à cette victoire. C'est pour ça qu'on est heureuse et plus que contente de pouvoir dire que la victoire est vraiment collective et que tout le monde a pu apporter son savoir. Et avec une Caroline Turin, très, très, très en forme aussi qu'on voit ici. Par moment, ouais. Par moment, ça a été. Par moment, c'était plus difficile. Mais non, mais comme vient de dire Ellie, ça a été une victoire collective où tout le monde a apporté. Je pense que c'est ça aussi, les grandes équipes, on a tout un rôle, le coach a son rôle, l'assistant a son rôle, même les dirigeants, chacun a son rôle, et ça a été un succès, je pense, à tous les niveaux. Et puis voilà, je pense que, comme on l'a dit avant, Samira a fait un gros week-end, Aminata aussi a beaucoup apporté, et puis chacune a vraiment apporté. Je pense que c'est assez fou, parce qu'on a eu le week-end parfait à la maison, mais en plus on fait deux super matchs où tout le monde, par moment, amène son truc. Et ouais, ça a été vraiment une grosse réussite. Donc chacun amène son truc, chaque joueuse a su amener ce qu'elle savait faire, c'était vraiment une victoire collective. Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde est capable de tout faire, défendre, shooter, jouer un contre un. Et puis, c'était notre force cette année, je pense, et c'est ce qui a fait la différence dimanche en finale. Votre force cette année, c'était aussi de ne pas perdre à domicile. Vous avez tout simplement tout gagné. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est sûr, quoi, là, on avait déjà une bonne équipe, des bonnes individualités. Après, Fran a aussi fait qu'on avait un jeu d'équipe vraiment parfait, enfin chaque joueuse avait son rôle à jouer et puis ne devait pas forcément faire plus ou voilà, avait vraiment son rôle et puis c'était bien défini au départ et tout le monde est resté dedans tout le temps. Puis après c'est vrai qu'à Nyon ça nous a toujours réussi, mais bon, on a perdu qu'un match de toute la saison, donc aussi à l'extérieur ça allait bien aussi, donc ouais. Donc tu l'as cité, Fran, un entraîneur qui a su prendre le meilleur de vous toutes. Fran, donc il a fait une saison avec vous, là, cette saison quasiment parfaite. Et est-ce qu'il sera là l'année prochaine? Alors, c'est pas encore officiel, mais on l'espère et il y a de bonnes chances. Après, on peut pas affirmer à 100% qu'il sera avec nous. C'était un entraîneur très apprécié de l'équipe. Cette année, ça s'est très bien passé entre les joueuses et le staff au niveau du coach. Oui, tout à fait. Fran a été quelqu'un qui est toujours apprécié par tout le monde, autant par nous, les joueuses, que par le comité. Donc, il a su faire ses preuves envers nous et envers le comité. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a de bonnes chances qu'il reste l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il a su apporter de plus cette année qu'il n'y avait peut-être pas l'année passée? Parce que l'année passée, vous êtes arrêté en quart de finale. Cette année, vous avez gagné. Il y a quand même une sacrée différence. Il y a une sacrée différence. Je pense qu'il a su fédérer autour de lui. Il a su créer un truc. C'est un coach qui met pas en avant les individualités. Qui prône l'extra passe. C'est-à-dire que quand on a une action où on arrive à créer un décalage où la défense doit ajuster parce qu'on se retrouve avec un décalage, de faire la passe en plus pour la coéquipière qui est libre. Fran est partisan de faire l'extra passe de l'extra passe. Donc il est très très porté sur le collectif et ça a porté ses fruits avec la façon dont on a joué. Et c'est vrai qu'il y a des matchs où une joueuse pourrait marquer 15 points et le match d'après sera une autre et le match d'après sera encore une autre. Et du coup, c'est ça notre force. C'est ça qui fait que c'était compliqué d'arrêter Nyon et c'est ça qui fait que ça n'a pas été possible d'arrêter Nyon. Exactement. Donc le collectif, un collectif et une tactique à laquelle vous êtes très bien adapté. Cette manière de voir le basket de Fran avec toujours des passes, des passes, des passes. Tu t'y es bien adapté aussi, toi, Agnès?
Oui, tout à fait, parce que c'est difficile de mettre « je joue » à l'intérieur. Et mettre les balles à l'intérieur, c'est compliqué. Et ça a été compliqué les années précédentes. Et Fran nous a poussé à faire la passe à l'intérieur, ce qui fait que tout le monde a pu bénéficier de ces extra-passes. Donc oui, j'ai bien apprécié. Ouais. Et je pense que tout le monde a apprécié au sein de l'équipe. Donc une magnifique saison, on l'a dit. Et je pense qu'après une saison comme ça, on a juste envie de continuer, de rester avec la même équipe et puis de faire ça l'année prochaine. On ne sait pas encore si on LNA ou en LNB, mais on a juste envie d'être toujours le même groupe et puis de continuer. Oui, c'est sûr. On ne sera pas, peut-être pas exactement la même équipe, mais oui, il y a la plupart des joueuses qui souhaitent continuer. C'est sûr que sur un titre, on a envie de continuer. Et puis voilà, après on verra en fonction aussi des études, du travail, qui c'est qui pourra s'investir. Mais oui, globalement, l'équipe va pas trop changer normalement. Donc c'est ça qui est bien, on est tout amis en dehors du terrain. Donc c'est toujours intéressant et amusant de continuer avec cette équipe. On parlera de l'avenir un petit peu après, si vous le voulez bien. On fait une petite pause parce qu'il y a un autre club que vous connaissez certainement très bien, qui est le BBC Nyon, qui jouait donc, c'était ce samedi à Villars-sur-Glâne, le match 3 des play-offs. C'était aussi pour jouer le titre. Hein. Et un match qu'ils ont malheureusement perdu. On regarde le résumé et on se retrouve juste après. Julie Lebris, un troisième match que le BBC a très mal entamé. On imagine que c'est frustrant une entame de match comme ça dans un match si décisif. Ouais, ça c'est sûr, on l'a entamé comme on a fini le match 2 en fait. On a raté plein de paniers faciles, on leur a laissé des rebonds offensifs. Voilà, les bêtises qu'on a faites et pourtant ceux sur lesquels on a travaillé cette semaine, on les a reproduits en première mi-temps. Et puis voilà, on a voulu forcer un petit peu, sortir des systèmes, jouer 1 contre 5. On a pris énormément de tirs en première mi-temps, mais on a raté énormément. On est à 20% de réussite au tir en première mi-temps, à 1 sur 14 à 3 points. C'est fin, voilà. Donc effectivement, on passe au travers, mais on passe au travers des consignes. C'est surtout ça qui est frustrant, je trouve. Et puis on a su se remobiliser en deuxième mi-temps et retrouver un jeu d'équipe. Et c'est comme ça qu'on revient. Après, on prend des points sur des rebonds offensifs. On avait mis l'accent là-dessus aux entraînements, mais c'est ce qui nous a encore fait mal au début de match. Après, on a couru après le score, c'est ce qui nous a fatigués. On n'a pas réussi à... On n'a jamais réussi à repasser devant. Ouais. Vous n'avez pas réussi à passer devant, notamment parce que vous ratiez des paniers, allez, pas faciles, mais qui doivent être dedans en finale. Ouais, c'est ça. Surtout, ouais, au début, on a raté pas mal de tirs près du panier. C'est de la concentration, c'est des bons tirs. Après, si on les met, on est dedans, on est à égalité, on est dans le match et ça change tout. Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça, autant de tirs sous le panier ratés. Sur les deux mi-temps, la deuxième mi-temps du match 2 et la première mi-temps de celle-là, je sais pas, on a raté 15 lay-up, quoi. 15 tirs sous le panier, des choses qu'ils font depuis l'âge de 5 ans. Quoi. C'est quoi ça? Un manque de chance? Un manque de concentration? Je sais pas, certainement un peu des deux. Mais ouais. La pression, peut-être? Ouais, il y a la pression, mais... la pression, on l'aura encore plus mercredi parce qu'on va jouer pour notre survie. Donc voilà. Alors après, peut-être qu'ils se disent on préfère gagner à la maison. Alors autant lâcher deux matchs, je sais rien. Alors justement, mercredi, qu'est-ce qu'il faudra faire? On imagine déjà mieux entamer ce match. Ouais, bon, ça c'est sûr. C'est le match de la mort. Hein. De toute façon, on perd, on a fini. On gagne, on va chez nous pour essayer d'offrir un gros spectacle à notre public. Donc voilà, le discours il sera assez simple. Les gars, ils savent ce qu'ils ont à faire. Voilà, leur répéter qu'il ne faut pas rater les paniers faciles et puis respecter les consignes, mais ils savent exactement ce qu'ils ont à faire dans cette finale. Après, on n'a pas réussi à le faire sur demi-temps. Et c'est vrai que tout le monde nous dit « Ah, mais pourtant, pendant la saison, en jouant une mi-temps, on battait n'importe qui. » Et c'est souvent qu'on a joué qu'une mi-temps. Mais voilà, Villars est plus fort que toutes les autres équipes. Et Villars, on ne peut pas se permettre de jouer 20 minutes. Il faut qu'on en joue 40 pour gagner. Et c'est ce qu'on a fait au premier match. Et encore. Les mecs, ils ont envie d'aller chercher ce titre, au moins de rentrer à la maison de toute façon, mais d'aller chercher ce titre, c'est vraiment ce dont ils ont envie, donc mettons les ingrédients qu'il faut mercredi. Voilà, on va vous laisser préparer ce quatrième match, en espérant que ce ne soit pas le dernier. Qu'est-ce qu'on va aller préparer jusqu'à mercredi? On va revoir les fondamentaux, c'est tout, mais rien de particulier. De toute façon, mercredi, ce sera le mental qui fera la différence, ce ne sera pas le basket. –
Voilà, et donc le match 4 qui aura lieu ce soir à 20h30 à Villars. Est-ce que vous ferez l'effort de vous déplacer pour assister à ce quatrième match qui risque d'être décisif ou qui sera, on l'espère, pas décisif, Pauline? Alors, il y en a peut-être quelques-unes qui peuvent se déplacer. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on va les suivre en streaming, en live, ça c'est sûr. Le BBC, c'est une équipe que vous allez regarder aussi de temps en temps, Elisabeth? Oui, bien sûr, quand ils jouent à domicile et quand nous, on n'avait pas match, bien sûr, on allait les suivre. Vous apprenez aussi peut-être de bon, peut-être pas au niveau des paniers faciles, mais du reste, vous apprenez de cette équipe aussi. Je sais pas, je les ai pas assez vus, je pense, pour dire, mais on peut toujours apprendre quand on va voir un match de basket. Mais j'espère aller les voir samedi, j'espère qu'il y aura un match 5 et que je pourrai aller prendre du plaisir, aller voir soulever ce titre. On verra si j'apprends ou pas. C'est qui le joueur qui vous impressionne le plus? J'en ai pas vraiment un, mais c'est vrai que Joël, il est assez impressionnant sur les rebonds et sur la défense. Il joue au même poste que toi, c'est peut-être pour ça aussi ou pas du tout? Non, même pas. Non. Et bon, Caroline, je te pose aussi la question, du coup, vu que tu voulais pas répondre avant. Ouais, c'est tous des bons joueurs, franchement. ils jouent si bien, ils ont un bon jeu d'équipe. Après, voilà, je trouve que les plus jeunes ont beaucoup de mérite dans cette équipe. Je pense à Joël, Julien et puis Jeff. Je trouve aussi que Jeff, il a fait vraiment des bons matchs, des bons derniers matchs. Et puis, ils sont assez constants et puis ils arrivent bien, ils ont bien réussi à faire leur place dans cette équipe et ça devient des joueurs vraiment très importants sur le terrain. Jeff, que l'on a vu dans ce reportage. On va parler un petit peu de l'année prochaine. Du coup, est-ce qu'on sait déjà de quoi elle sera faite, de LNA, de LNB? Pauline, tu peux nous en dire plus? Alors, normalement, on va quand même rester en Ligue B. Après, voilà, c'est pas officiel, mais y a plusieurs facteurs qui font que, par exemple, les U19, donc les moins de 19 ans, on n'a pas d'équipe. Du coup, c'est en général ce qui soutient la première équipe, donc Ligue A ou même Ligue B. C'est vrai que même pour une Ligue B, c'est embêtant. Donc, mais voilà, pour le futur aussi, le but, c'est pas de monter en Ligue A une année et puis redescendre. Ce serait quand on monte en Liga, vraiment monter en Liga. Ouais, donc pas de Ligue A a priori. On imagine que ça aurait quand même fait plaisir de disputer quelques matchs de tout haut niveau. Oui et non. Après, comme l'a très bien dit Pauline, ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà au niveau de l'effectif, après au niveau financier également. Ça, c'est plutôt du côté du comité que ça se décide. Mais c'est vrai que si un effectif n'est pas complet, pourquoi aller jouer un bas de classement en Liga et pourquoi pas rester en Ligue B et faire toute une aussi belle saison? Bon, elle ne sera pas aussi belle que cette année, je pense, mais voilà, faire une belle saison en Ligue B. Caroline, toi qui as joué longtemps dans ce club, qui vient du club, on imagine que tu es tout à fait d'accord avec cette décision sage. Tout à fait. Enfin, c'est surtout au comité de prendre la décision avec l'aspect financier et puis la motivation des joueuses qui restent. C'est à discuter entre eux, ouais. Je ne vais pas vous demander votre avis sur LNA, LNB. J'imagine que vous acquiescez le mouvement du club. Mais plutôt sur cette suite de saison, cette fin de saison, j'ai entendu que vous vous entraîniez encore, notamment avec l'entraînement numéro 100. C'est quoi et pourquoi est-ce qu'on s'entraîne toujours encore après un titre? C'est pour garder la forme, on va dire, pour garder l'esprit, continuer dans l'esprit dans lequel on est. Et puis le centième, Fran compte chaque entraînement. Lundi, c'était le centième. On n'avait pas vraiment envie de s'entraîner, on va dire. On a plutôt fait du shoot, des concours de shoot, et puis c'est tout. On s'est juste amusé. Voilà, donc le basket, c'est aussi beaucoup de plaisir avec cette équipe, on l'imagine. Oui. Toujours. Toujours. Je vais finir cette émission en vous demandant chacune un meilleur souvenir de la saison. On va faire l'autre sens cette fois parce qu'on a toujours commencé de ce côté-là. Caroline, quel a été ton meilleur souvenir cette année avec l'équipe? Je pense que c'est très difficile à dire, mais c'est sûr que c'est le Final Four parce que voilà, quand on a le Final Four chez nous et qu'on gagne le titre, c'est un peu difficile de trouver un meilleur souvenir. Donc, puis tout aussi la semaine et la période avant où on sentait qu'on allait y arriver, enfin qu'on allait aller loin et puis du coup il y avait vraiment la motivation et l'excitation de gagner le titre. Donc c'est vrai que les deux semaines avant le Final Four et puis le Final Four. Agnès, est-ce qu'il y a un moment précis, une minute précise dont tu vas te souvenir toute ta vie?
C'est peut-être ma technique en finale. C'est-à-dire J'ai peut-être été un petit peu agressive avec l'arbitre parce que j'estimais qu'il y avait une faute qu'il n'y avait pas du tout, en fait, après avoir regardé les images. Et c'est quelque chose que je ne fais jamais d'habitude, mais c'était juste que c'est tellement l'émotion, la tension, une finale, la fatigue, et puis... Voilà, bon, ça n'a pas eu de grandes conséquences, heureusement, mais ouais, c'était un moment assez marquant pour moi quand même. Au final, on change complètement de personne, c'est ça. Caroline, quel a été le meilleur souvenir cette année? Je pense comme, comme Caro, c'est un peu tout le week-end du Final Four. Ça a commencé, je pense, avec l'entraînement du vendredi. Où, voilà, on sait que le lendemain, c'est le week-end important qui commence. On a eu une discussion entre nous, je pense, qui a fait qu'on a pu toutes bien aborder ce week-end. Et puis après, ouais, c'est samedi. C'était spécial parce que c'est une demi-finale, mais en même temps, on la gagne très facilement. Donc, il n'y a pas vraiment l'intensité d'une demi-finale. Mais il y a quand même ce truc où on se dit que le lendemain, on joue contre Ara, oui, c'est le gros match. Donc, il y avait toute cette excitation de vraiment vendredi à l'entraînement jusqu'à dimanche et l'explosion de joie. Donc, voilà, ce week-end, c'était ouais, un de mes plus beaux week-ends de basket, je pense. Elisabeth aussi, j'imagine que tu rejoins tes coéquipières ce week-end et plus particulièrement dimanche. Tout à fait, ouais. Puis même si je pouvais encore donner un moment tips, je pense que c'est le moment qu'on a passé tout ensemble avec nos deux coachs dans le vestiaire avant le match. Notre head coach, assistant coach Lohan, nous a fait faire un petit exercice, si je puis dire, où il y a eu beaucoup d'émotions, je pense, à ce moment-là. Et c'était vraiment fort en émotions. Et je pense que c'est ce qu'on avait besoin à ce moment précis avant de pouvoir bien aborder la finale. Et je pense aussi que c'est un facteur qui a fait qu'on a pu aborder correctement cette finale. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'était, ce petit exercice? Oui, bien sûr. En fait, on avait à disposition tous nos maillots classés par ordre de numéro. Donc, notre assistant coach, Lohan, a donné le premier maillot à notre capitaine, donc Samira, avec un petit mot. Et en fait, le but, c'était de donner chronologiquement le maillot à notre coéquipière et de lui donner de lui faire un petit mot personnel. Donc, moi, c'était en l'occurrence pour Caroline. Donc, voilà. Non, c'était super. C'était un super moment et je pense que ça sera gravé. Et ça, c'est une technique qui marche. Pauline, tu as eu le temps de réfléchir. C'est quoi ton moment préféré à toi? Moi, c'est en effet, j'allais parler aussi du moment avant le match. Et aussi quand on se regroupe toutes et puis on a tous un peu cette pression, cette excitation pour commencer la finale. Et puis j'ai envie de dire, même chaque panier, en fait, on avait une explosion de joie alors que c'était un panier. Et puis du début à la fin du match. Alors ouais, et puis quand on se rend compte qu'il y a les minutes qui descendent et on se dit... on l'a vraiment? Est-ce qu'on est vraiment championne suisse? C'est vraiment un sentiment incroyable, quoi. Jusqu'au moment où Sam soulève la coupe et puis on a le champagne, les confettis. Non, c'était incroyable avec le public. Ouais. Après, c'est sûr, le Final Four en général, mais ouais, tout ça, c'était incroyable. C'était une saison absolument magnifique, très riche en émotions. On l'entend en vous écoutant. Merci d'être venu. Félicitations pour ce titre. Fêtez encore et toujours. Et on espère vous retrouver ici l'année prochaine pour un tout nouveau titre. Il y aura mercredi. Merci encore. Mercredi, donc c'est ce soir, il y aura le match du bébé Seignon face à Villars. Peut-être que les filles seront de la partie. Je vous encourage à aller voir cette équipe qui joue sa peau, qui joue le titre déjà pour le quatrième match. Merci à toutes d'être venues sur ce plateau. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive. Ciao.